au rendez-vous de la prière. Encore une fois, Dieu nous fait grâce. Nous sommes là, mes frères et sœurs, pour nous engager tous comme un seul homme dans la prière. Vous savez, Dieu est tellement bon, tellement bon. Aujourd'hui, il nous ranime d'une manière assez pertinente qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'augmenter encore la dose, n'est-ce pas, de sa divinité en nous. Et c'est tous les jours que nous nous engageons, n'est-ce pas, dans cette lutte, bien-aimé, à la conquête, n'est-ce pas, des âmes pour le Seigneur Jésus. Sentez-vous à l'aise d'être unis à nous? Sentez-vous vraiment fils de la maison, comme, n'est-ce pas, ceux qui sont derrière moi? Et sentez, c'est comme si vous qui étiez là, et ensemble, nous allons et devrons prier, n'est-ce pas, pour que le Seigneur nous fasse du bien. Depuis le temps de Jean-Baptiste, il est écrit jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'user, n'est-ce pas, toujours de cet esprit de violence pour acquérir les bonnes choses divines. Sans lesquelles il nous sera, n'est-ce pas, impossible, je dis bien, d'atteindre, n'est-ce pas, les objectifs ici sur la terre des hommes. Amen. Le Seigneur encore aujourd'hui est au rendez-vous. Yes. Encore aujourd'hui, son Saint-Esprit est là pour nous diriger. Amen. Et à travers la prière, bien-aimés, c'est ce qui convient, c'est ce qu'il faut pour ces moments et en cet instant-ci pour que nous puissions atteindre quelques dimensions spirituelles. Amen. J'ai béni le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, lui qui a régné avec Abraham, Isaac, Jacob, lui qui a régné avec Paul et tous les apôtres, bien-aimés, à ne pas oublier que nous sommes fondés dans les enseignements, n'est-ce pas, des apôtres et des prophètes, et lui-même le Christ Jésus étant la pierre angulaire. Amen. Et nous sommes là, nous allons lire les Écritures. Je suis dans Luc, chapitre 9. Nous allons lire les premiers versets. Luc 9, 1. Luc 9, chapitre 1er. Mm. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus, ayant assemblé les 12. Jésus a d'abord fait quoi? Assemblé les 12. Ça veut dire que les 12 devaient être ensemble. Waouh, représentant une seule personne, un seul homme, oui. Leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Écoutez-moi, leur donna quoi? Force et pouvoir. Leur donna force et pouvoir. Ça veut dire que les 12 n'en avaient pas, même s'ils marchaient avec le Seigneur Jésus. Yes. Mais c'est un moment bien déterminé. Après qu'il s'est remarqué, bien aimé, plusieurs choses. Vous ne pouvez pas aller à la conquête de l'évangile comme ça. Mm-hmm. Parce que je remarque qu'il y a des réalités qui ont besoin que je déverse en vous, n'est-ce pas? Une force et un pouvoir. Amen. Et cela face à tous les démons. Amen. Écoutez-moi, ça vaut la peine de comprendre des choses liées à la divinité. Je reconnais qu'il y a eu à un moment donné un enfant, n'est-ce pas, épileptique de son état, qui face au feu et à l'eau, l'enfant s'est retrouvé, n'est-ce pas, malade. Et à un moment-là, les disciples ont compris que cette affaire, n'est-ce pas, leur a été présentée. Yes. Mais écoutez, souvenez-vous avec moi, ces jours-là, ils ont prié, ils ont tout fait, d'après, n'est-ce pas, et ce qu'ils avaient reçu comme connaissance de la part de Jésus. Mais rien n'a été fait. Je reconnais que le Seigneur Jésus avait dit quelque chose d'extraordinaire. Yes. Il a dit, ce type de démons, ça signifie quoi? Il y a une typologie en matière de cela, de ces esprits qui nous combattent. Yes. Alors nous avons besoin qu'il nous donne maintenant et la force et le pouvoir sur toute la typologie démoniaque. Amen. Ces jours-là, les disciples étaient incapables. Frère, tu es en train de nous suivre. Yes. Peut-être que tu te sens incapable face à des esprits, bien-aimés, qui vous lient, qui vous rend captif dans la famille. Yes. Peut-être que tu te sens, n'est-ce pas, face à tes oppresseurs, à ces esprits qui te combattent, qui te font du mal. C'est comme si la force qui est en toi, bien-aimé, paraît être limitée. Yes. C'est comme si le pouvoir que tu reçois de ta vie chrétienne paraît limité. C'est tout à fait normal. La Bible est claire ici. J'aimerais que mon ami Chapi reprenne encore la lecture. Jésus, oui, ayant assemblé les 12. Il assembla les 12. Il dit, il y en a encore d'autres secrets que je dois vous donner. L'air toi qui me suis, toi qui nous suis en ce moment, il y en a encore d'autres. Jésus l'a fait.
n'est-ce pas, avec ses disciples. Mm-hmm. Il dit, non, 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 venez, je vous rassemble encore, parce qu'il y a d'autres secrets que vous devez découvrir. Yes. Découvrir, pourquoi pas. Il y a encore des choses que vous n'assimilez pas. Mm-hmm. En ce qui concerne les esprits, je dois augmenter la dose. Amen. La dose que vous avez, quoi que m'appartenant, ne suffit pas. Yes. Le moment est arrivé où je dois, n'est-ce pas, remplir les choses. Amen. Parce qu'il y en a de ces types de démons. Amen. Qui vous seront supérieurs. Yes. Il y en a de ces types de démons, bien-aimés, écoutez-moi, qui vont manifester beaucoup plus d'actions que vous. Et ils rassemblent les douze en disant quoi? Leur donna force et pouvoir. Leur donna, yes, force et pouvoir sur tous les démons. Sur tous les démons. Premièrement, écoutez-moi. Est-ce que, écoutez-moi, tu as déjà reçu cette dimension, la force et le pouvoir sur tous les démons, tous les esprits. Mmh. Ne remarques-tu pas que dans ta vie, il y en a encore de ces esprits qui prennent de l'ascenseur? Mmh. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses lever tes deux mains. Yes. Waouh! Prie avec nous. Dis, Seigneur, je veux aujourd'hui que tu puisses me donner comme tu avais fait aux douze. Comme tu avais fait aux douze. Donne-moi, n'est-ce pas, cette force, ce pouvoir sur tout autre esprit, quel que soit le. Alléluia. Commence à prier, 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 mon frère. Que tu me donnes, oh Dieu de gloire. Prier, mon frère. Où caramo, chav, la maille, le pouvoir nécessaire. Où caramo, ça y a brata, y a tout. Le courage qu'il faut, Seigneur, pour vaincre le démon
La Bible dit, il donna force. Il leur donna, disons, force et pouvoir sur tous les démons. Je suis en train de dire à une personne, je ne sais pas quel est cet esprit malin qui fonctionne et qui prend quelle forme. La Bible est claire en disant, il leur donna pouvoir et force sur tous les démons. Donc Jésus reconnaît au moins qu'il existe plusieurs démons. Amen. Ça veut dire les esprits malins de tout genre. Waouh! Waouh! Bien aimé, écoutez-moi, la Bible dit, nous savons du moins qu'il existe plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Amen. Que ce soit sous la terre, que ce soit dans le monde de mer sous la terre, que ce soit au ciel. Bien aimé, écoutez-moi, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tout ce qui fonctionne dans les airs, tout ce qui fonctionne sur la terre, en termes des espèces vivantes, et tout ce qui fonctionne sous la terre, moi je te demande à partir d'aujourd'hui, face à ma vie, face au sort de mon existence, que cela puisse tomber, les esprits des airs, les esprits bien aimés qui fonctionnent sur la terre, que sous la terre, prions au nom de Jésus. Prions, mes frères, au nom de Jésus. Dieu, mon Père, tout cela qui fonctionne, bien dans les hommes, tout cela qui fonctionne en termes cibles, en termes d'espèces vivantes, fonctionne en nous. Tout cela qui fonctionne sous la terre, nous disons que ces esprits, Yahweh, s'arrêtent par sa bouche, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui règne dans les airs, même cela qui ont la forme humaine, les esprits humains, montrez-nous au nom de Jésus. Nous voulons sentir nos vies libérées, libérées au nom de Jésus. Libérées en vertu de la puissance de Dieu. L'ouvrage ma messe, il y a de la manche, il y a 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 la manche. Wow! Tu vas me lire la dernière partie de ce premier verset. Allez-y. Avec la puissance de guérir les malades. Je pense que ce n'est pas malade, répète encore. Avec la puissance de guérir les maladies. Ok. Jésus, son problème n'était pas le malade. Parce que le malade, c'est l'identité qui leur avait été, n'est-ce pas, donnée à cause des esprits qui fonctionnaient et qui ont pris la forme de maladie. Écoutez-moi, tout nom qui peut se nommer en termes de maladie, quel que soit, au sol, on a évité maladie, il y et ça, l'opération, les amis, vont ni. Ah non, on a battu Moutoumou, qu'on soit son yokanga. Au sol, on a évité, on parle du sida, on parle de quoi, ce n'est pas un problème. Ce que je sais, Jésus leur a donné force et pouvoir sur toute la puissance des maladies. Alléluia. Écoutez-moi, peut-être tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce qui se prépare dans les années qui vont suivre, les jours qui vont suivre, les heures qui vont suivre. Bien-aimé, on va visiter la maladie nini. Je pose la dabison à Mama Oyo. Tu sens que ta vie doit avoir une maladie. Mais en matière de maladies, j'aimerais vous dire, il y a des maladies, écoutez-moi, dont les noms sont reconnus. Mais il y en a des seuls. Mais cependant, c'est une maladie dans le corps. Car ça crée un dysfonctionnement face à ton état naturel. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur. C'est maintenant que tu dois dire la semence que Dieu me donne maintenant à cause de ma prière. Eh, Baba, oh, zo sala siko ndekonanga.
que maladi wane za kokima. Amen. Oso ndima que maladi wane zo kite bon moi na yo. Les autres kite nzo so na yo. Pata ko samba la, na kombo na Yesu.
Mibwaka. Hey! Il y a des maladies qui sortent des corps. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je sens sa puissance descendre maintenant. Il y a des situations qui changent. Alléluia. J'entends. Hey! Yambali bonzami tema. Merci. Bien-aimé, si tu as des enfants autour de toi, si tu as une famille, Zoabaïbayo, je vais déclarer des choses qui vont affecter, n'est-ce pas, vos familles. Amen. Je vais déclarer des choses qui vont affecter. Alléluia. Que derrière moi, mettez vos mains sur mes épaules là. Et vous qui nous suivez, n'est-ce pas? Waouh! Waouh! Le Seigneur veut faire des choses. Si vous nous suivez, n'est-ce pas? À travers les médias, les médias, suivez-moi, mes frères et sœurs. Ou même quand tu as pause dans mon moyo, en dehors de vous qui faites les lives, les directs, bien aimé, je vais déclarer des choses. Il y a des maladies, bien aimé, chroniques. En même temps, des maladies les plus héréditaires qui puissent exister dans vos familles. Le Seigneur me révèle cela. Ça va vous quitter, ça va disparaître maintenant. Que la grâce, c'est Jésus lui-même qui donna, n'est-ce pas, à ses 12 disciples de me forcer pouvoir sur tous les esprits sauf rien, sauf aucun. Et deuxièmement, écoutez-moi, la capacité d'être guéri face à toute maladie. Amen. Je prie de la manière dont vous êtes regroupés, rassemblés. Amen. Aujourd'hui, moi, écoutez-moi, je ne regroupe pas, je ne rassemble pas les 12. Yes. Mais vous, mes frères et sœurs, vous représentez le meilleur 12 pour moi. Amen. Vous qui écoutez, qui priez avec moi maintenant. Yes. Mais de la même manière que vous êtes unis en famille, n'amoni papa simbibada, simbimoisi. Alléluia. Ça devient une force. Ça facilite encore la transmissibilité de l'onction. Amen. Que cette onction vous soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sens des gens. Alléluia. Il y a le miracle qui s'opère dans des vies. J'ordonne à des maladies de vous quitter. Amen. Les esprits qui autrefois fonctionnaient contre vous. Mes frères, qu'il y ait une controverse maintenant. Amen. Que la puissance de Dieu entre dans les vies. Amen. Que la puissance de Dieu entre dans des familles. Je Amen. Vois une personne Amen. Qui ne sent pas ses siens autour de lui. Amen. Écoute-moi, regroupe-les en esprit. Amen. Sans que tu aies ton frère, ta soeur, tu as tes parents. Amen. Tu as encore tes enfants avec toi. Je déclare que la puissance de Dieu entre maintenant, vous visite. Amen. Finis cette maladie. Amen. Ça ne sera plus chronique pour vous. Amen. Alléluia. Asme zombimana komona Jésus. Alléluia. Zombimana komona Jésus. Alléluia. Maladie wane zombimana komona Jésus. Tension wane zombimana estomac wane. Na komona Jésus. Maladie wana mutu ezo libéré bino na komona Jésus. Alléluia. Maladie a mitema ezo libéré bino na komona Jésus. Maladie wana makolo ezo libéré bino na komona Jésus.
On a ces simba kanzoto et sont libérés bino. On est mort en contravers des esprits, na pauvreté, na misère, na ba limitation toujours. Ils sont bima na kombo na Yesu. Ils sont libérés bino na kombo na Yesu. Sois libre au nom de Jésus. Alléluia. Unis à l'esprit du Seigneur. Bien aimé, je vous transmets une force. Je vous transmets un pouvoir. Allez, je dis maintenant que les choses changent. Que le temps change pour vous. Amen. Que le Dieu de mon esprit puisse vous bénir. Amen. Que le Dieu de mon esprit, alléluia, apaisse nos forces, apaisse nos pouvoirs. À partir du moment où je vous parle, je dis, tu ne vivras plus la même histoire. Amen. Cette histoire change à jamais. Amen. Je dis, elle change à jamais. Amen. Allez vivre le meilleur moment maintenant. Amen. Sors guéri. Amen. Sors avec une autre force. Amen. Avec un autre pouvoir. Amen. Et que cet esprit qui triomphait autrefois bien aimé comme un marche pied à yo. Soyez besoin de maman, besoin de gambo, la besoin de ma boko. Soyez besoin de maman, besoin de gambo, la besoin de ma boko. Soyez besoin de maman, besoin de gambo, la besoin de ma boko. Na kombo na Yesu. Na le dit de besoin de gambo, la bien aimé c'est un acte de foi. De besoin de ma boko, besoin de triompher. Parce qu'il y a une autre force qui l'entre. Il y a une autre dimension de travail qui commence encore. N'a qu'un pelimoto. Ma qui l'a vu un pelimoto. Parce que Christ aille comme une race intermédiaire. Vous ne vivrez plus jamais la même histoire. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Élève tes deux mains, commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Seigneur, merci. Tu nous as bénis. Prie en famille. Prie en bloc. Prie, vois-tu avec ta famille. Dis merci, Seigneur. Finis le règne des esprits malins. Finis le règne des esprits malins. À partir d'aujourd'hui, nous allons vivre. Alléluia. Et dans ce moment, que la gloire soit pour le Seigneur. Le Dieu qui nous a béni, qui a fait des grandes choses. Que la gloire soit pour lui. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. J'aimerais que tu puisses dire, en moi il y a une force divine. En moi il y a une force divine. J'aimerais que tu puisses déclarer haut et fort. J'ai un pouvoir divin. J'ai un pouvoir divin. Sur tous les esprits malins. Sur tous les esprits malins. Sur tous les démons. Sur tous les démons. Et sur toute maladie. Et sur toute maladie. Christ en moi. Christ en moi. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Acclame encore plus fort. Jésus est Seigneur. Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci mon frère, ma soeur. C'était ça notre temps de prière. Notre moment d'intercession, cette intercession générale qui a fait en sorte que nos vies puissent retrouver la paisibilité comme état. Bien-aimé, écoutez-moi, Jésus nous a aimés. Commence à vivre en fonction de ce qui s'est passé maintenant. Amen. Car mon juste ne vivra que par sa foi. Amen. Crois, la connaissance, bien-aimé, les choses qui se sont opérées aujourd'hui, c'était pour toi. Amen. Alors je dis uniquement pour toi et ta famille. Amen. Uniquement pour toi et tes siens. Amen. Et le bon Dieu les a réalisés pour vous. Amen. Rendons encore une fois de plus grâce. Merci. Merci. Demeurez unis en nous, n'est-ce pas? Unis à nous. Bien-aimé, au 0, notre numéro de contact, disais-je, le 080 88 11 043. Et l'église amiale, n'est-ce pas, à travers son humble serviteur, le pasteur principal, le docteur évangéliste Belindoza. Bien-aimé, l'église est toujours là pour vous sur l'avenue Kigoma, numéro 153, commune de Kinshasa. Et juste au coin de la direction province. C'est ça notre adresse. Que le bon Dieu puisse vous bénir. Amen. Et écoutez-moi, bien-aimés, suivez nos émissions, nos lives, nos vidéos, n'est-ce pas? L'adresse est YouTube Amial TV. Voilà, Amial TV. Et n'est-ce pas? Facebook Amial Kigoma. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom, shalom, shalom. Saluons le frère. Merci. Que Dieu vous bénisse.